je m'appelle Gandhi, j'ai 12 ans, je suis en 5e et vous êtes sur la chaîne Les Fous d'aujourd'hui, les sages de demain, la chaîne pour les gens qui pensent pas comme tout le monde. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo puisque nous sommes en train d'entrer la réserve Rénimeni où il y a un super lac où l'eau elle peut se boire et on va y aller en bicyclette. Vous venez avec moi? Maintenant, on a fini les 3 km à vélo, donc on est en balade ou en marche. Et en fait, comme vous pouvez le voir sans doute, je suis dans une forêt, mais une vraie forêt toute verte et tout. Alors que d'habitude, bah ici, c'est un désert patagonique. Sauf que comme on est à côté d'un lac avec une eau douce, non polluée quand même, que j'en ai bu, et ben forcément, ça fait plein d'arbres. Et aussi, ce qui est bien, c'est que bah, justement, il y a plein d'animaux. Alors, en hiver, on peut voir des pumas, mais en hiver, il y a de la neige. Alors, je ne viendrai pas. Et moi, j'aime bien la chaleur. Et il y a plein d'oiseaux et plein de moustiques. Et c'est bien parce que maman m'a dit qu'avant, tu faisais 40 km avec ta voiture et tu avais le pare-brise couvert de moustiques et tout noir. Et maintenant, bah, il n'y a plus ça. Et ici, c'est encore un peu pareil. Et c'est génial parce que voilà quoi. Et en gros, aussi sur le chemin, j'ai trouvé une chouette plume de cygne, parce qu'il y a des flamants roses aussi. Et maintenant, on a fini la deuxième balade pour aller au deuxième mirador. Et en fait, on est arrivé au début et comme je voulais que vous suiviez cette ascension parce que c'est encore plus haut que tout à l'heure. Et voilà, maintenant on est enfin arrivé après 15 minutes de marche freinée. Donc en gros j'ai les jambes en compote maintenant parce que on a fait du vélo, donc on a fait 4-6 km à vélo, ensuite on a fait 1-2 km en tout et là on a encore fait 2 km. Donc en gros on a fait 10 km, le truc qui m'arrive jamais. Mais c'était génial parce que j'ai vu plein de trucs trop beaux, parce que d'ailleurs comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un lac, oui, le lac Rénimeni. Et en fait c'est que de l'eau des glaciers, c'est pour ça qu'on peut en boire, parce que là-bas il y a un glacier. Là on peut pas trop le voir, mais derrière cette montagne, cette couleur, et ben il y a un glacier là, par là, voilà. Et ensuite le glacier il a fondu, et comme cet hiver c'était un hiver très 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 froid, donc